Salut à tous, l'atmosphère est incroyable ici au Juventus Stadium. Encore un grand moment de foot à vivre ensemble. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de poule et déjà une grosse pression sur les deux équipes. La Juventus affronte le PSG. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et on découvre la composition de la Juventus. Chesney dans le but. Danilo avec Alexandro en défense centrale. Neymar. Bombasson sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est sorti. Et encore une fois, si tu ne réduis pas la distance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre du deuxième poteau est réussi. Et regardez cette conclusion, la reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. Hein. C'est un missile ce ballon. L'engagement donné par la Juve. On va voir si la Zeida va revenir dans ce match. Neymar. Et ça joue avec Neymar. Et il remporte son duel, bien défendu. Rabiot. Le ballon pour Neymar. Et attention là, Neymar. Et un ballon facile, la portée. Di Maria, la grosse opportunité, attention. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en est sur quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Hakimi, Hakimi qui perd le ballon là. Danilo. Di Maria. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Il peut frapper. Le public a poussé pour voir cette frappe, mais le tir n'est pas cadré. Ça se passe pas loin du tout. Hein. Peut-être qu'en se précipitant un peu moins, le geste aurait été mieux maîtrisé. Marco Verratti. Le ballon pour Marco Verratti. Allez, c'est bien lui, sa bonne interception. Ballon dangereux en profondeur. Vlahovic avec le ballon, Vlahovic, Donnarumma pour le sauvetage, c'est bien joué. Avec Kylian Mbappé. Et voilà un ballon qui est intercepté. Et ce ballon de Di Maria dans l'espace. Et Vlahovic bien servi. Le lob. Oh là 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 là, ce petit coup de patte, cette petite merveille. Et quand c'est fait comme ça, le foot, on en redemande. Quelle contre-attaque. Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et ce geste de grande classe pour finir, petite touchette, tout en tendresse au-dessus du gardien. Il y a de l'amour dans son but. Et avec ce but, score de parité, un partout. Le ballon est contré. Le ballon pour Verratti. Le ballon revient sur Verratti. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Le coup de sifflet de l'arbitre, on va donc en rester là. C'est la pause au Juventus Stadium. Ah, il est bien dans cette rencontre, évidemment, Vlahovic. On le sent concerné, impliqué et déterminé. Le but de l'égalisation, c'est une joie sur laquelle il faut construire la dynamique de cette deuxième mi-temps. Son rôle n'est pas capital, il est essentiel.
C'est reparti le coup d'envoi au Juventus Stadium. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Très c'est capté. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Ce coup franc manque de conviction, c'est repoussé par le mur. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Ah non, ballon perdu pour la Juventus. Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que c'est pas allé justement un peu trop vite? La carence dans le dernier geste. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et ça joue avec Neymar. Ballon pour Danilo Pereira. Avec Neymar. Et la frappe, ça part bien. La frappe contrée sans souci. Oh, la faute. Et du coup, un coup franc très dangereux à venir. Alors, tirer le coup franc de l'extérieur du pied, il fallait oser. On voit que déjà la course d'Ela est légèrement courbée par rapport au ballon. Et puis ensuite, à la souplesse de la cheville, les trois doigts du pied, tout ça donne une trajectoire très bizarre. Quel but! Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à celui-là. Changement à venir pour la Juve. Excellente couverture de balle. Mais la passe est complètement ratée. Le ballon pour Di Maria. Voilà, il faut essayer. C'est un centre fort. On rate du sol. Et oui, but ! L'égalisation ! Voilà un match enflammé ! On le sait bien, ce genre de centre fort à ras de terre, c'est très dangereux parce que c'est très compliqué à défendre. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. La fin de ce match est imprévisible. Tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Neymar. Intercepté cette passe de Neymar. Di Maria. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Le ballon pour Philippe Kostic. Alors le centre est contré, le ballon ne passe pas. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. Ah, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. On sent l'angoisse de tout le public juventino. Le nul ne suffira pas. Il faut marquer. Vamos! Kostic. Oh, c'est dedans! Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts! C'est un moment
clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Et on approche de la fin de cette rencontre et l'équipe visiteuse court toujours après le score. L'espoir fait vivre, c'est le moment. Mbappé, incroyable égalisation dans les dernières minutes de ce match. Ils y ont toujours cru et ils y sont parvenus. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Un but dans les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale. Le coup de sifflet de l'arbitre avec la fin donc des 90 minutes. Pas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire.